Ikai Ngundoan, OFC Barcelone, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ikai Ngundoan, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, le FC Barcelone veut s'attacher les services de Ikai Ngundoan. Ngundoan n'a pas toujours prolongé avec Manchester City. Et du coup, donc, Barcelone veut bondir sur l'occasion. Vous savez que Barcelone n'a pas de l'argent pour vraiment acheter des joueurs. Ils sont obligés de prendre des joueurs en fin de contrat pour pouvoir les attirer. Prendre des joueurs de qualité en fin de contrat pour pouvoir les attirer. Du coup, donc, ils ont coché le nom de Ikai Gundogan. Ils ont coché le nom de Ikai Gundogan. Gundogan, donc, pour moi, c'est une bonne piste pour le Barça. Parce que il joue à City, il est titulaire à City et en plus il connaît le logiciel Guardiola. Ce qui m'amène à dire qu'il sera compatible avec le Barça parce qu'on sait qu'entre Barcelone et City, c'est quasiment le même système de jeu, etc. Donc, si pas au Barça, en dehors de la langue qui va peut-être le menacer, mais dans l'ensemble, dans le projet du jeu, pour moi, il va s'intégrer. Il va s'intégrer parce que City et Barcelone, c'est quasiment le même système de jeu, etc. Donc, Ikai Gundogan, est-ce que c'est une bonne pioche pour le Barça? Évidemment, c'est une bonne pioche. Maintenant, donc, est-ce que c'est bénéfique pour Gundogan? Je ne pense pas. Parce que Barcelone est en reconstruction, même comme ils ont gagné la Liga. Mais je ne pense pas que Barcelone sera compétitif pour pouvoir gagner la Ligue des Champions, peut-être, dans 2 ans. Parce que pour moi, l'effectif, c'est encore trop léger, les gars. C'est encore trop léger. Et Gundogan, je pense que il est déjà en fin de carrière. Il veut gagner la Ligue des Champions, Manchester City. Donc pour moi, il sera plus proche de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City que en allant au Barça. Parce qu'avec City, il y a déjà un effectif rodé. Avec City, il y a déjà tout pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et en plus, il est titulaire à City. Il est capitaine. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de Gundogan de quitter City. Parce que Guardiola lui fait confiance, il est titulaire, il est capitaine, il joue tous les matchs, il a encore marqué un très très beau but contre Everton. Franchement, c'est une masterclass. Actuellement, il est très en forme, il marque les buts, il donne des passes décisives. Donc Gundogan, franchement, il est au top actuellement. Et partir au FC Barcelone, moi je ne vois pas l'intérêt, puisque à City joue, il est capitaine, etc. Pourquoi aller au Barça? Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas le projet d'hier. Donc, au final, donc moi je n'y crois pas pour Ikai Gundogan, les gars. Je n'y crois vraiment pas pour Ikai Gundogan au Barça, les gars. Je n'y crois vraiment pas. Après, donne-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Gundogan peut aller au Barça? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.